Bonjour, bonsoir, comment nous y? Bienvenue encore une fois sur Chanel Paola. Je dis à nous content pour ton nouvelle vidéo pour vous-même. Continuons à partager ensemble avec vous top 10 animaux qui sont dangereux dans le monde. Là. Pas hésiter à la vidéo à un like si vous appréciez l'idée. Abonnez-vous ensemble avec Chanel là, si vous faites ça. Et activez la cloche de notification. Pour pas rater aucune vidéo nous yo sur Chanel là. Ou t'es toujours connecté lion c'est roi des animaux, pas vrai? Mais est-ce qu'on compte pour qui raison qui fait au doux lion c'est roi des animaux? Est-ce que c'est parce qu'il est plus dangereux ou bien parce qu'il est plus méchant? Eh bien, gardez vidéo jusqu'à la fin pour capable voir qui est dans animaux qui plus dangereux dans monde là. En 10e position, nous gagne pet sa li rele le dragon du Komodo. Il fait nous connaître que c'est le plus grand lézard vivant. C'est le plus grand lézard qui vivant. Yodou li vive dans certaines îles tankou Indonésie et parvenu en récolte des victimes d'une seule morsure. Bet sa lèl modo li pa kitan rien pour nan yon seul mordi seulement li tout victime. Pas penser qu'il bral prend pile temps pour le victime ou dans plusieurs mordi. OK? Yo dou ses dents dentelées déchire la chair de sorte quelque le poison qui provoque la paralysie musculaire. Dans yo li même li gon poison la dent li. Et poison ça depuis piqué ou li tout paralysé tout muscle qui gen dans corps. Et c'est que ou tout perdit conscience. Ne bête sa modio. C'est que yon seulement de seulement qu'il baou ou tout égaré et ou pas gen envie vivre encore. Yo classé li en 10e position comme bête qui pi danger dans monde lan li rele le dragon de Komodo. En 9e position, nous gagnons l'ours. Yo faut konnen il semble si docile et mignon. Pas vrai? Le regarder l'ours, ou elles sont très belles bêtes, blanches, qui vraiment jolies. Mais pourtant, il faut qu'on ait tout. L'ours est le plus grand mangeur de chair sur terre. Bête qui mange plus chair sous terre, l'irélé l'ours. Les nourrit principalement de phoques. Mais il faut qu'on ait ses pattes sont équipées de griffes qui peuvent disséquer n'importe quel être vivant. Pas li seulement qu'il pose sur vous, li gen tan mete tout en dedans ou deyò. Yo dou li pa peur pour attaquer l'homme et parfois en cas de danger ou famine, li capable attaquer et manger la chair humaine. Mais yon avantage ki nou gen, li pa vive côté tout moun a vive. Li vive nan yon côté qui relie Antarctique. Nous connaissons toujours dit il y a 5 continents, mais c'est 6 continents qui gagnent. 6e nan qui c'est Antarctique là, lui-même li inhabitable. C'est l'ours là seulement qui vit là-dedans parce que l'ours là li gen un corps qui capable résister avec Freddy ça. Parce que côté Antarctique là lui-même pas gagne monde capable vivre là-dedans. Tellement le fait fret, mais c'est seulement l'ours là capable vivre dans endroit ça qui c'est Arctique là. Nous gagnons 8e position qui c'est pieuvre aux anneaux bleus. C'est très toxique. Yo dou c'est une espèce marine qui pi danger dans monde là. Ça veut dire c'est une espèce marine yo qui vraiment danger dans monde là. Yo faut qu'on ait un petit animal ça, li répandit parmi au large des côtes africaines et japonais. C'est que c'est dans côte ça qu'il rete. Yo faut qu'on ait li gen poison qui mortel et même pour l'homme. Et le pire, yo dou qu'il y a yo gen li pa gen antidote. OK, c'est que c'est un poison depuis bête ça li mordé ou depuis poison entre nan ou pa gen l'autre bagay wap kapab fè, wap moui sur le champ parce que pa gen antidote pour poison ça. Mais il faut qu'on ait tout poison an tellement danger, li dépasse yon poison qui rele cyanure jusqu'à 10 000 fois. OK, cyanure nan li même son poison qui vraiment danger.
Mais tandis que poison qui n'en pieuvre aux anneaux bleuants, il dépassait 10 000 fois. Tellement poison pieuvre aux anneaux bleuants, il danger en pile. Pas oublier m'dou, il pas gain antidote. Depuis le piqué, pas gain l'autre moyen encore ou mourir. Ok, en 8e position, nous avons pieuvre là, mais quand il y a en 7e position, nous avons hippopotame. Moi te croyais que pas jamais penser si hippopotame te capi danger en 7e position. Il faut qu'on ait l'hippopotame, c'est 3e plus grand mammifère au monde là, après nous gain éléphant qui est en première position, nous gain rhinocéros qui est en 2e position et bien hippopotame qui est en 3e position comme plus gros animal dans monde là. Mais il faut qu'on ait ils sont très répandus dans zone Afrique. Mais il faut qu'on ait hippopotame les responsables des plus morts humains sur le continent que d'autres animaux plus craintes. Ça veut dire si nous est lion d'ap courir, si nous est tigre d'ap courir, si nous est panthère d'ap courir, si nous est léopard d'ap courir, si nous est loup d'ap courir, pas vrai? Mais pourtant hippopotame c'est bête qui responsable plus monde qui mourit. Et dans le continent Afrique, là, nous avons le cheval de rivière. Il y aurait le tout, le cheval de rivière. Il faut qu'on ait l'un des animaux les plus agressifs du monde. Et compter parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique, à savoir l'hippopotame. En 6e position, nous avons le grand requin blanc. Est décrit comme le tueur silencieux de la vie marine. C'est que si on monde tombe dans l'eau et puis voilà arriver échapper au son requin blanc l'a vraiment dévoré. Mais il faut qu'on ait requin, il y a une bagaille qui attire requin, c'est le sang. C'est que depuis le requin même l'eau en bas de l'eau, depuis on monde blessé, la prend sang en bas de l'eau. Et bien dès qu'elle y prend sang, il à la recherche. Qui côté sang ça sorti et qui côté il vient arriver jeune. Et bien, le même moment, il y a attaqué. Il faut qu'on ait commence alors une recherche spasmodique de ses fuites. C'est que si sans ça qu'il prend cent ans, l'a cherché. Selon une analyse réalisée en 2012, il y a 272 attaques non provoquées, a été déclenchées simplement par la nature agressive de cet animal contre les humains. Attendez, 272 attaques. C'est que tellement que poisson ça les dangers en pile ici requin blanc. En 5e position nous gain le buffle noir. Le buffle noir sous bien gardé doit pour le tavle sembler avec un bœuf, pas vrai? Eh bien, c'est pas bœuf. Il faut qu'on ait le buffle noir africain également appelé buffle noir. Il y aurait le buffle africain ou bien capable de tout buffle noir a été rebaptisé Black Duff. Black Duff. Yodou, c'est un animal extrêmement imprévisible. Qui tue plus de 200 personnes par année. C'est un animal qui tue 200 personnes par année. Hein? Même les lions craignent cet animal. Attendez? Même lion, paix animal ça, qui trouve son habitat naturel en Afrique. Si en Afrique, seulement lié. Même lion peut approcher le buffle noir. Tellement li danger. Li tue 200 personnes par année. C'est le 5e animal qui est plus danger dans le monde. En 4e position, nous avons le crocodile. Nous avons déjà. Il faut que les crocodiles sont responsables de plus de 2000 décès par année. Crocodile, li tue plus que 2000 personnes par année. Les régimes alimentaires comprennent une large gamme de viande. Ils se nourrissent également de carcasses mortes. Vous voyez? 2000 personnes par année, c'est crocodile à tuer. Il est classé en 4e position comme bête qui est plus dangereuse dans le monde et c'est des viandes qu'il nourrit. En 3e position, nous avons le lion. Nous avons toujours aimé connaître que le lion, c'est roi des animaux. Qui raison qui fait lion c'est roi des animaux? À cause de couronne. Eh bien, faut qu'on ait le lion. En plus de porter la couronne du roi de la Gyangla, c'est ça qui fait lion devenu roi des animaux. Fonctionnement de vivion lion, c'est fonctionnement de vivion roi.
Lion le plus souvent, surtout pour mâle lion, c'est femelle lion qui cherche à manger pour le bali. OK? Lion lui-même comme s'il couchait et puis femelle là cherche à manger pour le bali. Mais c'est que fonctionnement lion, il vient classer comme roi des animaux. Mais pas veut dire que c'est roi animaux qui plus méchant dans monde là. Il n'a pas encore lion lion grondé toute bête courir. Ça une fait que yo vinn classer roi des animaux parce que l'autre bête yo les grondé tout l'autre bête yo toujours été là millions depuis le grondé toute bête prend courir fait que lion seulement enregistrement là fait toute bête envie courir mais c'est pas rien vrai. OK, c'est pas parce que lion plus méchant qui fait classer roi des animaux, c'est fonctionnement des vivli avec couronne là et puis avec enregistrement là et les rugit à mon cher toute bête qui était dans forêt à tout temps de mais ça une fait que yo classé lion comme roi des animaux. Yo faut qu'on ait tous c'est troisième bête qui pi danger dans monde là parce qu'il tue en pile monde, il nourrit des chairs, il attaque toute l'autre petite bête. Yo n'a pas que faut qu'on ait lion en lion yo enregistré en pile attaque de lion. Parfois les touristes al visiter lion dans forêt et il attaque machine yo. OK, en pile machine attaqué, il responsable en pile décès par année. OK, c'est que pas qu'à compter combien monde qu'il y a habitué par année, c'est que c'est pas en pile. OK. Ah, mais en deuxième position, nous gagnons le serpent. OK, nous gagnons le serpent. Il est classé serpent en deuxième position comme bête qui pi danger dans monde là. Il faut qu'on ait les espèces les plus toxiques se trouvent en Afrique. C'est que bête qui pi danger yo, c'est en Afrique et aussi situé en Amérique du Nord et en Asie. Par exemple, le cobra asiatique. OK. Nous gagne le cobra asiatique, c'est un cobra, c'est un serpent qui vraiment vraiment dangereux dans le monde là. Yo dit certainement par le plus toxique, mais il cause plus de 50 000 décès par année. Cobra ça qui a parlé là. Li tuye plus que 50 000 moun par année. C'est pas 50 moun, non? 50 000 moun par année. Il faut qu'on ait chaque année environ 2 millions personnes souffrent de morsures de serpents. C'est que, imaginons, par année, plus que 2 millions moun a souffri à cause d'un serpent qui mordit yo. Elle dit, ça moun, presque ça moun évalue à 50 000. C'est que ouais, c'est pensé en bête qui est vraiment dangereux, surtout pour le cobra asiatique, également appelé cobra indien ou cobra à lunettes. Il faut qu'on ait tout, les papes attaquer moun, depuis le moun la couri vinn jwenn moun nan, il est agressif et son venin contient une substance toxique qui agit comme une cardio et neurotoxique. C'est que ça poison ça, c'est un poison qui mortel. Sous qui te cobra ça mordé ou a fait la vie la difficile pour joindre la vie. Mais gien antidote pour lui quand même. Et bien en première position bête qui pi danger dans monde là, il est l'éléphant. Pas de penser ça. On te connait toujours penser c'est lion qui pi danger dans monde là. Et bien c'est éléphant. Qui raison qui fait c'est éléphant qui pi danger dans monde là par rapport avec poids et capacité qu'il gagne. A dit les éléphants rentrent en côté, les ka fait gros dégâts. Yodou, le plus grand mammifère terrestre vivant en Afrique et dans certains pays d'Asie. Une fois qu'on est tout, c'est sans aucun doute l'un des animaux les plus intelligents du monde. Et mais une fois qu'on est tout, éléphant pas rien doute dans ça, c'est un animal qui plus intelligent dans le monde là. Il semble amicaux et gentil. Ça veut dire, il semble gentil et toujours aimer regarder film Wombat, comment Wombat à l'aise en pile avec éléphant. Mais, dans un moment de colère, un éléphant peut être extrêmement mortel. Ça veut dire que, l'éléphant éléphant en colère, sale jaune l'a crasé. C'est le premier bagage éléphant qui a la cali. Sale jaune l'a crasé. Mais mon machine l'a crasé. Ouais. Okay. Mais mon B4, mais mon moto, la Brazil. C'est que, yo pas seulement accentué un bête qui pi méchant seulement, c'est l'attaquer moun. Moun la nou est méchant, nous est attaqué moun seulement. Mais non. Éléphant lui-même par rapport à grosse et force qu'il gagne, sale joint la
attaquer. Il faut qu'on ait éléphant attaque un village et détruit quoi que ce soit avec son énorme force. Il dit, un éléphant elle attaque un village, même un caille. Si il y a une possibilité de l'abraser, c'est que ça fait classer éléphant comme premier bête qui plus danger dans le monde là. Question, est-ce qu'on compte combien de temps un éléphant fait pour vivre? Pas de monde ça? Eh bien, je dis ma foi comme ça. Un éléphant lui vit 100 ans. Après 100 ans, même le pas tué l'a mouri. Je suis content que vous puissiez partager cette vidéo ensemble avec vous. Nous vous croisons encore très bientôt. Pas oublier, likez, partagez et commentez. Ça fait nous plaisir. En pile. Ciao.